Il crut en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et ici, on voit dans le verset 5, et il parle de l'espérance. Oh, mon âme espère en l'Éternel. Et ici, dans le chapitre 4, encore, il parle de espérance. Et espérance, c'est synonyme de espoir. Ça veut dire que si nous avons parlé de l'espoir, je voudrais dire, il est important de souligner, de parler, de développer le synonyme de espoir qui est espérance. Et ici, quoi l'exemple qu'on prend, c'est la foi d'Abraham. C'est la foi d'Abraham. Et en ce soir, mes bien-aimés, ma soeur, mon frère, je viens vous dire, vive la foi d'Abraham qui espérait au-delà de toute espérance. C'est mon conseil pour vous. Pour démarrer, je vous conseille d'avoir la foi d'Abraham qui espérait au-delà de toute espérance. Ça veut dire que là où il n'y avait pas d'espérance, Abraham espérait en l'Éternel. Là où il n'y avait pas d'espoir, Abraham espérait en l'Éternel. Un homme de 100 ans, il pouvait espérer un enfant, une femme de 90 ans. Là, il n'y a pas d'espérance d'enfant. Là, il n'y a pas d'espérance encore. Là, il n'y a pas d'espoir encore. Abraham ne devait pas espérer en l'Éternel à 100 ans. Un enfant. Sarah ne devait pas espérer en l'Éternel un enfant. La biologie confond cela. La biologie écoute cela. L'anatomie même écoute cela. Une femme peut enfanter vers les 45 et 48 ans. Mais vous arrivez dans l'âge 50, vous n'avez pas besoin d'espérer enfant encore. Mais vous arrivez dans l'âge 60, vous n'avez pas besoin d'espérer enfant encore. Même une dit alléluia. Pendant l'homme a dit, pendant la science a dit, vous n'avez pas besoin d'espérer. La foi me dit qu'a espérer. Pendant les amis a dit, ou pas besoin d'espérer encore. La femme dit qu'a espéré. On a le mal parlant. Il y a tiré à fin passé. La dit au trop tabou. La dit pas espoir encore. Et puis me dit qu'a espéré. Car j'espère qu'on tout espère. Au-delà de toute espérance, j'espère en mon Dieu. Ayez la foi d'Abraham, la foi qu'il a exercée en Dieu malgré sa situation. Quand il n'y a plus d'espérance, moi je continue d'espérer. Là où il n'y a plus d'espoir, je continue d'espérer. Parce que mon espérance, alléluia, se place en un homme qui n'est jamais en retard. Un homme que rien n'est possible. Je continue à espérer en Dieu. Là où tout le monde a échoué par la foi, je dis je vais réussir. Aïe, 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 aïe. Là, tout le monde voit une défaite. Moi-même, par la foi, je vois une victoire. Là où tout le monde se fait passer pour une victime, je dis non, je ne suis pas une victime, mais je suis, alléluia, le champion de les cieux. Là où tout le monde se considère, alléluia, comme un échoué, comme un vaincu, moi je dis, je suis un vainqueur. Au nom de l'Éternel, je serai. Malgré la bataille est dure, malgré la bataille est rude, mais j'aurai la victoire. J'aurai la victoire parce que l'homme qui est à la tête de la bataille, il ne perd jamais bataille. L'homme qui est le général, il ne perd jamais combat. J'espère une victoire. La bataille est dure, le combat est rare. Au nom de Jésus, j'aurai la victoire. Mettez-vous debout, criez victoire.
Victoire! Victoire! Frappez-moi, vous, victoire, frappez-moi. Comment tu t'en mets, frappez-moi, frappez-moi. Alléluia! Là où tout le monde considère, alléluia, se considère comme un vaincu. Moi, je me considère comme un vainqueur. Pourquoi? Car Dieu, avec Dieu, je ferai des exploits. Aïe, aïe, aïe. Car avec Dieu, je ferai des exploits. Parce que c'est lui, c'est en lui je place mon espoir, c'est en lui je place mon espérance. Avec Dieu, il n'y aura pas de défaite. Avec Dieu, il n'y aura pas de défaite, mais il y aura la victoire. Avec Dieu, alléluia, il assure notre victoire. Oh, alléluia, c'est pas une raison, mes frères et sœurs, pour dire, alléluia, je ne dois pas avancer. Il est vrai, alléluia, il y a des situations. En tant que l'homme, tu dis alléluia, où est la porte de sortie, mais l'Éternel, alléluia, a déjà la clé, alléluia, l'Éternel a déjà, alléluia, confectionné la porte. Il faut espérer au-delà de tout espoir. Yeah, yeah. Le tout espoir semblé fini pour moi, moi trouver ton Dieu. Mais tout espoir semble fini pour vous. Mais dois soyez qu'on est bon Dieu. Car il nous demande d'espérer quand toute espérance. Là où il n'y a pas d'espérance, nous devons espérer. J'aime bien ce cantique. Alléluia. Le 132. Il dit espère en Dieu. Quand la souffrance brisant ton cœur, troublant ton cœur, c'est lui, jamais l'indifférence. Ne les distrait pas de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les billets de bas. Crois au trésor de sa demeure en haut, car son amour t'ouvrira ses bras. Bon Dieu a pourvu Bréal Baou, les lotions de Baou, l'Éternel a pourvu Bréal Baou, les lotions d'il pas capable, l'Éternel a pourvu Bréal Baou, les madames ont quitté, les maris ont quitté, les bons amis ont quitté, l'Éternel a ramassé, les ont jeté, les ont souté, l'Éternel a ramassé, l'Éternel a embrassé, parce que l'Éternel n'est pas comme jeté petit lit, et c'est ça. Faire, m'a espéré en l'Éternel et en l'Éternel seul.